J'ai commencé mes études à Sciences Po Paris où j'ai fait une licence en droit et en économie. Et je suis venu à l'UCLI finir une licence de philosophie et entrer au Master MEF, ce qui m'a amené à passer le CAPES en 2018. Alors j'enseigne actuellement la philosophie en classe de terminale, mais à partir de l'année prochaine, j'ai un poste en post-bac à la SEPR où je vais enseigner la philosophie à des futurs designers, bijoutiers et ébénistes. Et par ailleurs, je vais préparer l'agrégation de philosophie. L'intérêt de la formation du Master MEF, c'est d'allier à la fois des apprentissages techniques avec des exercices type concours blanc et des cours réguliers sur les auteurs ou les notions du programme, et en même temps d'avoir un souci pour et la didactique et l'éthique de l'enseignement de la philosophie. Parce que c'est un métier qui suppose à la fois des compétences techniques, mais surtout, je dirais, un sens de la présence humaine et de la relation. Ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a beaucoup soutenu pendant mon parcours à l'UCLI et spécifiquement au Master MEF, c'est le fait d'être dans une promotion assez petite, une quinzaine d'élèves, où il y avait une vraie entraide et un vrai désir de travailler ensemble. Et il me semble que pour réussir les concours, c'est important d'avoir cette dynamique. Et puis on a la chance d'avoir des enseignants et des intervenants qui sont très disponibles. Et donc il y a cet esprit d'entraide qui est entre les étudiants, mais aussi entre les étudiants et les enseignants. L'avantage avec le Master MEF, c'est qu'on se trouve dans un campus qui est sur la place Carnot, donc en plein cœur de Lyon, et qui a été rénové il y a quelques années. Donc c'est des conditions de travail infrastructurelles qui sont excellentes. Et par ailleurs, on dispose aussi d'une salle qui porte le nom de quelqu'un qui a été un enseignant très important dans cette fac, Pierre Gire, et dans laquelle les étudiants du Master MEF peuvent se retrouver au cœur de ce campus de la place Carnot pour travailler et vivre aussi des moments, disons, d'amitié ou de convivialité. Je recommanderais surtout l'UCLI parce que c'est un lieu où celles et ceux qui travaillent et qui interviennent ont un vrai souci de la relation humaine et de la formation humaine. Et ce que j'ai senti en y étant formé et en m'y préparant à devenir enseignant, c'est qu'il y a cette vocation à laquelle cette institution a le souci de répondre. Et je pense que quand on se destine à devenir enseignant, c'est-à-dire à être dans un métier qu'on pourrait dire du soin, c'est très important d'avoir cette dimension-là. Rejoignez-nous ! Et là, pff,